Bonsoir à tous. Nous allons prier pour Marie-Thérèse Victor, Christopher César, Ivy Pirali, Bertie Pirali, Jean-Marc Gopal, Adrienne Mangra, Clifford Segondis, Marie-Belle Peau et Cyril Cloridor. Et pour toutes les âmes du purgatoire, nous les portons tous dans nos prières.
Bonsoir à tous. Alors, les lanternes de la voiture numérotée L14 sont allumées. Donc, le propriétaire est prié d'aller éteindre, en fait, ces lanternes. Merci. La voiture L14. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui est un jour spécial où nous nous rappelons qu'il nous faut retourner vers l'essentiel, retourner à Dieu. Bon Dieu compte en nous, sur l'amour plus grand, plus fort, qui tout nous bannerait. Heureux de nous rassembler avec la présence spéciale de nos jeunes pour vivre cette messe. Soyons attentifs à ce que le Seigneur nous demande de changer en nous. Et prenons ensemble cette route vers la Pâque. Thank you.
La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Quel bonheur ce soir d'entrer dans le carême en ce mercredi décembre avec toute la famille, avec les paroissiens, ceux d'ici, ceux d'ailleurs. Quel bonheur! Parce que nous bisons en tant que catholiques, en tant que chrétiens, nous bisons marque ce moment où nous venons devant le Seigneur. Qui nous vient faire? Nous vient implorer le pardon, nous vient demander notre conversion. Oui Seigneur, viens nous convertir, viens nous donner la vie. Couvre-nous de ta miséricorde. Exceptionnellement, ce soir, ce sont des jeunes qui vont animer la messe. D'habitude, c'est la messe pour les adultes, enfin pour les adultes, pour nous tous, mais nous avons voulu spécialement ce soir dire aux jeunes, comme le pape nous a dit il y a trois ans, l'Église est à vous, le monde est à vous, et nous bisons faire place pour les jeunes. Il nous faut les écouter, leur donner la parole. Oui, c'est auprès de vous, les jeunes, que nous avons à apprendre. Alors, c'est pourquoi, au début de cette célébration, ce sont des jeunes scouts qui vont nous faire entrer dans cette première lecture. Vous pouvez vous asseoir. Faire carême pour nous venir du monde meilleur, nous bien convertir. Qu'est-ce que ça, conversion? Dans l'Ancien Testament, pour montrer qu'ils ont conversion, du monde qui représente le péché pour un sac gonné, qu'ils ont tiré, déchiré, pour montrer qu'ils ont l'équipe tout ce qui est mauvais. Pour songer, écrit commence un la vie meilleure avec bon Dieu. Zodizou, qui nous peut faire nous? Comment pour convertir? À nous écoute, ce qui prophète Joël et Nabuchodonosor. Lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une solennité. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens.
réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. » Faudra-t-il qu'on dise « Où est donc leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Assieds-vous. Nous dans l'évangile Matthieu au chapitre 6. Dieu-nous, Jésus, trouve la foule. Et quand il trouve ça la foule là, il monte le montagne, il est assisé, et il commence à enseigner ce bon disciple. Quelle manière je pratique la religion? Pas faire quelque chose pour l'isier du monde. Sinon, je ne pas pour gagner, je te récompense auprès de nos papas là-haut dans les ciels. Quand tu fais la charité, pas besoin de souffler trompette comme un hypocrite fait dans synagogue et clôture pour qu'il dit moun admire zot. La vérité me dit zot, zot fin gain zot récompense. Mais toi, quand tu fais la charité, faudrait pas te la mégosconner qui est nain dans te la droite.
comme ça ce qui te fait l'irait secret. Et ton papa qui est dans les ciels, qui trouve tout ce qui te fait, pour récompense-toi. Correct. Oui. Hey, dis-moi, est-ce qu'il te fait la charité? Qui l'a charité, mon frère? Moi, je me paye, non? Mais est-ce qu'il te aide tes bonnes camarades de l'école? Mon réjet, toi, moi, je me paye, non? Comment tu veux me dire que paye, non? Tu réalises, il n'a d'une plus de problèmes. Il n'a d'une peine à manger. Il n'a d'une peine à la case. Il n'a d'une monnaie à dette. Il n'a du monde même pas capable d'avoir des enfants à l'école. Et que tu es déjà mort depuis un an, non? Et vraiment, c'est moi, tu fais ma réalité ça. Au même moment, je suis dans ma chaîne. Je suis dans la case, je suis resté. Comme on vit sur le chemin, je suis dans la case de mon boss. Ouais, vraiment, c'est moi. Mais là, quand même, pour commencer là. Qui nous a fait? Je peux dire ça. Moi, mon voisine, il y a un problème financier. Mais vu que mes enfants à l'école, je ne vais pas donner casse. Quand on a fait un denier, dans l'école, on a fait un enfant pour du pain, on a fait un bout de denier. Je vais commencer à faire un semaine. Allez, non, allez. Oui. Quand je te fais la prière, pas faire comme un ban hypocrite. Je suis content de venir devant tout le monde dans la synagogue et dans la croisée pour que tout le monde trouve ça. La vérité me dit à ça, ça ban là fin déjà gagné cette récompense. Mais toi, quand tu fais la prière, rentre dans la salle, ferme la porte, mets la clé. Et prier te papa dans secret. Te papa qui trouve ce qui te fait dans secret, pour récompense-toi. Hé, hey, Chika. Waouh. Est-ce qu'ils nous aînissent? Oui, nous aînissent. Est-ce que nous priez? Et parce que ça prie au moins, donc on a prié même gars ce même mois. Ouais, tu as raison. Nous trop occupés, nous avons des devoirs, l'école, pas dispo, nous payons à l'état prier. Mais c'est mon lettre réalisé la prière. Parce que ça fait bébé, ça fait non, on y est, ça on est une phrase. Merci, bon Dieu, de la ville de nous, ça même. Ouais, tu as raison. Mais la même, nous avons des temps. À nous aller dans le prier? Allez, allez, allez. Quand je te fais carême, pas faire une figure triste comme un ban hypocrite. Je te fais une figure misérable pour que tu me trouves que je te peux faire carême. La vérité me dit à je te, sa ban là, fin des agains je te récompense. Mais toi, quand tu fais carême, lave ta figure bien propre, pas fime-te la tête. Comme ça, dis-moi pas pour que qui te peut faire carême. Mais te papa, qui te pas trouvé, et qui trouvait ce qui te fait dans secret, pour récompense-toi. Carême, Zéné, est-ce qu'il nous arrive à faire carême? Nous pas réussi à faire carême, là, comment bizarre. À cause de trop beaucoup de tentations. Tentations? Qui te fait redire pour une tentation comme ça? Mais tu savais une application sur le téléphone là? TikTok, Facebook, Instagram, veille à faire du monde. Ouais, tu as raison. Mais qui nous capable de faire pendant 140 jours carrément là? Dans place, nous servons à une application là pour que tu ne fasses pas besoin de faire la prière, que la prière, ben ça fait comme ça.
Ouais, ben, nous avons une application que nous avons fait affaires là. Allez, non, allez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup à tous ces jeunes qui ont pris beaucoup de temps pour préparer l'évangile, pour préparer l'entrée avec les sacs gonis. Ça demande du temps, ça demande de la préparation. Et puis on était contents que vous soyez là, les jeunes, avec nous pour cette messe, cette entrée en carême. C'est vrai ce que moi je peux dire, et qui fait la charité, casse même nous bénin. Vraiment ça, Ralph? Raphaël, venez dans une goutte là? Ouais. Ouais, qui te dit, Bézia? C'est comme ça, est-ce qu'il te fait la charité? Qui te dit? Moi, je me paye, qui la charité, mon frère. Et tu aimes te payer, c'est vrai. C'est ça qu'il nous dit, non? C'est ça qu'il va nous dire, comment toi, dire? Mais qui vous peut donner, nous, pendant la charité? Et puis, quand tu réfléchis, qui te découvert? Découvert qu'il est là, dans le pays, il y en a beaucoup de gens plus pire que nous, financièrement ou bien. Ce côté santé, tout ça, c'est pas qu'à travailler. Alors qu'il nous a, nous plaignons comme ça. Hein? Nous plaignons, et pourtant, il y a des gens qui sont dans la difficulté que nous. Et là, qui se dit pour ce carême-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous, il y a des gens qui payent là, il y a des gens qui sont là. Si vous avez une voisine qui a des difficultés, un camarade, tout ça, tu fais un petit don. Est-ce que tu as un camarade qui est en difficulté, toi? Dans ton école, dans ton, dans l'environnement. Est-ce qu'il te trouve, toi, vous ne connaissez? Et là, oui, mais je ne vais pas montrer. Je vais te cacher. Je te cacher. Mais il faudrait te causer aux autres, là. Il faudrait toi, en secret, pas devant tout le monde, en secret, toi, aller, te donner un petit quelque chose, te soutenir, là, non? Oui. Merci, Raphaël. Donc, ça nous dit quelque chose sur le monde, non? Sur la charité. Et puis, nous vînes la prière. C'est ça qui dit cause de la prière, là, mon parrainé. Oui, la prière. T'as dit cause de la prière. C'est une jolie parole, cette parole de la prière. En tout cas, redis-nous ça qui existe, tu dis-nous. Quand je te fais la prière, pas faire comme un ban hypocrite. Je te content vivre dans la synagogue et dans la croisée pour que tout le monde trouve. La vérité me dit à eux, ça ban là fin des agains de récompense. Mais toi, quand tu pries, rentre dans la chambre, ferme la porte, mets de la clé et prie de papa dans secret. De papa qui trouve ce qui te fait dans secret pour récompense-toi. Tu es content de cette parole-là? Cette parole-là touche-toi? Qui touche-toi dans cette parole-là, Marie-Agnès? Ben, c'est le fait qu'il n'a pas besoin de faire belles affaires pour qu'il bon Dieu nous donne la prière. Comment ça fait simple? Oui, parce que Béatrice, quand Béatrice, Béatrice vini, bon, j'ai dit, quand nous faisons la prière, qui vous a fait? Béatrice, vini? Non, donc ça, c'est là. Béatrice, qui dit comme ça? Quand on fait la prière, rentre dans toute la salle, allez, comment tu fais? Dis-je, écoute cette parole-là. Rentre dans toute la salle, ferme la porte, mets la clé et prie de papa dans secret. C'est étonnant, non? Nous Jésus, il est étonnant, nous Jésus. Parce qu'il nous dit quoi? Nous a fait de belles affaires. Il dit à nous, c'est pas ça qu'il dit à nous. Il cause. Il y a un mot qui est revenu, secret, dans le secret. Dans le secret, nous papa trouver et il connaît qui nous peut faire. Et puis nous dit à carême. Est-ce qu'il nous fait à carême?
Qui est-ce qui cause le carême là? Vini, ben, vini, vini. Ouais. Qu'est-ce que le carême, c'est que c'est le carême? Leïla, Leïla, tu fais carême? Tu causes? Andora, tu causes le carême avec ce. Viens, 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 Andora. Et puis viens toi aussi, tu causes le carême. Adriana. Ouais, le carême là, c'est une jolie parole, le carême. Carême là, qui sont paroles? Alors, Zézi, quand on fait carême, pas faire comme un ban hypocrite, parce qu'ils se fait une figure triste, se fait une figure misérable pour montrer tout le monde qu'ils se peut faire carême. La vérité me dit, Zézi, ça ban là, fin des agains, une récompense. Mais toi, quand tu fais carême, parfume-te la tête, lave te figure bien propre, comme ça, le monde pas pour connaître qui te peut faire carême. Mais ton papa, qui te pas trouvé, qui trouve ce qui te fait dans secret, pour récompense-toi. Toujours même affaire, ton papa qui trouve ce qui te fait dans le secret, il pour récompense-toi. Après, il y a un joli dialogue là, entre Adriana et Leïla. Comment ça t'a là, tu commences? Qui te dit, Mani? Carême, Zéné, est-ce qu'il nous arrivait à faire carême? Est-ce qu'il nous arrivait à faire carême? Et Hélène, Zéné, est-ce qu'il y répond? Il est bien difficile pour qu'il du coup, c'est il est bien difficile pour qu'il nous fasse carême, comment bizarre, à cause de notre beaucoup de tentations. Ouais, tu dis tentations. Qui tentation? Tu peux dire, disons, qui tentation, non? Oui. Facebook, Instagram, TikTok. Après, Facebook, Instagram. Mais ça fait du bon. Mais ça fait du bon, là, ça qui est intéressant, la fin, ça. Mais ça fait du bon. Ça veut dire que nous, quand nous disons carême, nous pas besoin de penser grand quelque chose, nous pensons petit quelque chose qu'il nous habitué à faire. Et qui nous dit nous capable de faire pour carême? Ben, au lieu de nous servir sur une application, que ça fait pas besoin de nous servir. Au lieu de nous servir, qu'est-ce que ça fait, Adriana? Vous attendez là-bas là? Hein? Mais au lieu de servir sur l'application, parce que ça ne fait pas bizarre, mais vous servir pour faire la prière, tout ça là. Voilà, nous avons consacré nous les temps pour la prière. Nous, c'est joli, Jésus dit nous, partager. Quand nous partager, c'est nous frères nous sœurs. Il dit nous, faire carême selon nous l'écho, c'est nous-mêmes, nous disciplines nous l'écho. Et puis il dit nous, priez, bon Dieu nous, papa. Merci les enfants, merci les jeunes. Mais vous comprenez ce soir, j'ai envie de cause de ça. Un couple, il fait que marié, il a un an. Et non, comment peut dire non? Comment ça se marié? Un mois. Un mois, ils sont mariés. Je dis, il y a plein de prisons qui sont. Qu'est-ce que ça des années là? Ils ont plus de marié, il y a un mois. Venez là. Et ils restent dans les environs même. Oui, moi, c'est le manque des gardes. Moi, c'est le manque des gardes. Donc, il y a un an de marié. Pardon. Un mois. Et pour un jeune couple qui vient de se marier, vous êtes venu ici avec le cœur, un léquier pour rentrer dans carême. Comment un jeune couple rentre dans carême? Depuis quand je suis avant de me marier, je suis venu à carême, mais de toute façon, qui n'ont pas mangé assez hein, pendant 40 jours. Mais avant carême, moi, avec ma madame, je me suis compromis, mais vu qu'il est parti chiniquement, je me suis dit, ok, je vais parler de cette façon l'année prochaine, mais c'est sans énergie, comment nous sommes capables de faire les choses. Et c'est quoi ce carême d'un jeune couple aujourd'hui? De travailler sur soi-même. Travailler sur soi-même. Comment dire, oui, c'est formidable. Et continue, oui. Travailler sur soi-même et être meilleur l'un comme pour l'autre. Au lieu, comment dire, vivre cette relation du premier mois, nous tous ensemble, vivre une relation entre autres. Et dans la relation, qu'est-ce qui est clé pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette relation? Quel mot que vous diriez d'important pour vous dans votre relation à tous les deux? La coopération. La coopération, pour toi, tu dirais quoi? La compréhension, on dira ensuite la communication. Hein? Si nous pas communiquer, à quoi ça sert? Moi, je fais la maison aujourd'hui dans le collège, côté là, plus que 50% non catholiques et au moins 40-50% catholiques. Moi, je dis, ben là, comme ça, pendant carême. Si nous venons la messe, si nous donnons carême,
et puis entre nous, nous méchantons, nous disons une parole blessante. Si nous blessons nos camarades, c'est comment dire, qui carême nous peut faire, non? Souvent, on dit, mon Dieu, nous bébé, qui carême te peut faire? Qui qualité quand carême te peut faire, te peut garder, ce carême, tout ça là? Mais guette comment tu étais avec ton conjoint? Guette comment tu maltraites-lui? Guette comment tu fais en lui, n'est-ce pas? Et quel est le carême que le Seigneur nous demande? C'est le carême de nous aimer un peu plus. Est-ce qu'il se content? Ça peut être ça tout du monde. Est-ce qu'il te compte en lui? Bien sûr. Te compte en lui? Bien sûr. C'est vrai. Merci, merci, merci beaucoup. Le carême, c'est simple. C'est la relation. C'est soi-même. Et puis, c'est Dieu notre Père, la prière. Alors que le Seigneur nous aide à entrer dans ce carême avec force, avec courage, avec confiance, parce que c'est avec lui, nous pouvons tout. Avec lui, nous pouvons tout. Alors, je vais demander à tous ceux qui vont porter les cendres de venir avec moi ici devant. Ce soir, Seigneur, tu nous as conduits jusqu'ici, devant ces cendres, qui rappellent-nous que, souviens-toi, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Souviens-toi. Oui, c'est avec la poussière qui, bon Dieu, fin façonne nous et nous connaît, c'est avec la poussière qui nous pour retourner, la côte nous pour bizarre aller. Et nous, tout nous pour retourner. Et c'est pourquoi nous sommes venus reconnaître cela, demander au Seigneur de nous changer, de nous donner un cœur nouveau. Nous pouvons prendre ce refrain, « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, ton esprit nouveau. » Seigneur, le cœur chagrin de nos péchés lourds, donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Que ces cendres que nous avons apportées pour nous rappeler que nous sommes poussière deviennent pour nous signe de conversion, signe de résurrection. Daigne bénir ces cendres, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Thank you.
Pour moi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi plus blanc que la neige de mes fautes, purifie-moi. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, inspire-nous des gestes de pénitence, de charité, que nous soyons jeunes, que nous soyons adultes, que nous soyons en couple, que nous soyons célibataires. Inspire-nous des actes de pénitence qui nous détournent de nous-mêmes et nous rapprochent de toi par Jésus ton Fils qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours et partout, et spécialement ce soir, lorsque nous entrons dans ce carême, en ce mercredi décembre. Chaque année, tu nous accordes, à nous chrétiens, de nous préparer aux fêtes de Pâques, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, au prochain et aux jeunes, nous nous rapprochons de toi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te chanter, te proclamer. Dieu Papa, toi-même vraiment saint, toi-même vraiment grand, toi-même nous Papa, qui trouvais ce qui nous fait dans le secret et te donne-nous nos récompenses. À cause de ça même, nous prions toi, envoie-toi l'Esprit Saint, l'eau sabanofandla, ça même qui pouvine l'écho, rédissant Jésus, le Christ, nous Seigneur. Avant Zézi Almo, il rassemblait tous aux bons disciples à table, il prend 10 pains, il rend grâce, il casse 10 pains, il donne d'autres. Il dit, prends, mangez, ça même me l'écho, me livrer, vous autres, tout. Les temps réparent, pour finir, il prend la coupe du vin. Encore une fois, il rend grâce, il donne son bain de disciples. Il dit aux autres, prends, bois. Ça même la coupe maudissant, disant un nouveau l'alliance. Une l'alliance qu'ils aimaient pour finir, disant qu'ils mauvais assez pour eux autres. Et pour tout le monde dans la terre, pour qu'ils aient péché pardonné. Chaque fois que je fais ça, je t'avais pense moi. Rappelle-toi, garçon, finement, les fins ressuscités nous rappelle. Lui-même donne-nous du pain qui donne la vie, la coupe qui sauve nous. Nous disons merci. Merci parce qu'il t'a fin choisi et nous. Garde-nous tous ensemble comme une seule famille, pas laisse-nous diviser. Garde-nous tous ensemble, l'étant-nous pour prendre la communion dans l'Esprit Saint. Pas oublier-nous l'Église dans le monde, nous les papes François, nous l'évêque Maurice. Pas oublier tout bon chrétien qui, aujourd'hui, fin rassemblé dans le monde entier
pour entrer en carême. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous soyons de bons chrétiens. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Donne-nous, Seigneur, l'espérance de la résurrection. Donne-nous la lumière. Enfin, nous prions-toi pour nous-mêmes quand nous l'air pour arriver. Donne-nous une place à côté Marie, Maman Bondier, à côté Saint-Joseph, tout bon apôtre, tout bon saint, Saint-Patrick, Saint-Anne. Nous prions-toi, nous louons-toi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, avec confiance, nous allons chanter le Notre Père. Notre Père qui es au ciel, Seigneur, sois toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Comme chaque année, la croix va nous accompagner dans nos quartiers, dans nos familles. Les familles peuvent demander à ce que la croix vienne chez eux. Et ce sera une manière de se retrouver ensemble, passer la nuit devant la croix. Et pour nous aider à prier avec la croix, il y a un livret de carême qui est sur chaque dimanche. Chaque dimanche, pendant toute la semaine, nous allons méditer avec les grands de l'Ancien Testament, avec Adam et Ève, avec Abraham, Moïse, David. Nous allons chaque dimanche méditer et vous avez ce livret qui peut vous accompagner. Il est en vente à 50 roupies et chaque famille doit acheter ce livret pour la prière ensemble. Alors, juste avant de partir tout à l'heure, je vais inviter tous ceux qui vont prendre la croix. Vous pouvez venir devant maintenant, dès maintenant, donc des quartiers Trèfle, Perlaval, Beau Séjour, le centre-ville. Mettez-vous ici. Giraud, donc ces quartiers, tous ceux du quartier, venez ici, venez, montez pour chercher la croix qui va nous accompagner tout au long de ce carême. Giraud, venez, le centre-ville, ceux du Père Laval, ceux de Beau Séjour est là. Ceux du Père Laval, venez, montez. Et nous avons fait un petit pamphlet qui vous sera distribué juste après, à la fin de la messe. Dans ce pamphlet, qu'est-ce qu'il y a ? Toutes nos activités pendant ce carême. Vous verrez, et des choses nouvelles, comme le bol des pauvres. Le bol des pauvres, un samedi soir, on va se réunir, on va manger qu'un peu de riz, et l'argent de ce soir-là va être versé aux familles pauvres, par exemple. Il y a le chemin de croix qu'on reprend après 2 années d'absence, et il y a aussi, bien sûr, tout au long de l'année, donc tout au long du carême, les activités de prière, de jeûne, de partage. Donc tout ceci, vous le verrez dans ce petit pamphlet et ce sont les enfants de cœur qui tout à l'heure va vous les remettre. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité. Que ce jeûne que tu aimes, c'est le jeûne de notre cœur qui mène à notre guérison. Par Jésus ton Fils qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors maintenant, pour partir, je vais remettre aux différents quartiers ces croix qui vont les utiliser, qui vont les servir pendant tout le carême. Mathieu, tu fais une annonce pour les jeunes ?
Alors, bonsoir à tous. Le noyau des jeunes de Saint-Patrick organisera une soirée spéciale pour les jeunes le vendredi 24 mars, qui sera suivie de la messe des jeunes le samedi 25 mars. À cette occasion, on souhaite inviter tous ceux et celles qui aimeraient nous rejoindre pour la préparation de la soirée et de la messe. Donc, on va se rencontrer le vendredi 3 mars à 18h30. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et merci, bon carême à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors à vous tous, très bon carême et très bonne entrée dans ce beau carême que le Seigneur nous offre. Bonne soirée à vous tous. Quelque chose d'important. Viens, pour Vincent. Viens, venez. Alors, il y a une famille qui est dans la peine. Son frère pour faire l'opération. Dis-nous en deux mots. En fin de compte, son frère finit à aller. Il aller, c'est initial. Comment dire, pour sur les reins. Mais donc, quand il est là-bas, il me sert au pied sur les quais avant. Donc, il a associé pour ramasser. Une petite donation, mais il vous demande devant l'église. Donc son frère s'appelle Vivian. Alors va tout de suite au fond de l'église pour la donation. Tu peux naître de nouveau.